tous les colis là. Allez, va mon gueule. Allez, va. Ah merde, ça tourne. Oh, et bien, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on a reçu une belle livraison Games. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Vous allez le découvrir avec nous dans un instant. C'est parti. Bon, allez, j'ai pris un carton au hasard, on va aller déballer ça tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a Team Ocean Star Strider. Oh yeah. Avec la petite gâteline qui fait bien plaisir. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ici? Lionel Johnson. Oh yeah. Il est de toute beauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, The Lion Son of the Forest. Yes. Il est en version originale parce que ma client me l'a demandé en VO. Si tu regardes cette vidéo, François, il est pour toi ce bouquin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, des Blood Sisters. Des petites Mélusailles. Des petites Madame Serpent, trop mignonnes. Avec le petit cœur dans la main là. Oh, c'est de tout. Trop mignon. Trop mignon. On va prendre place. Oui, c'est beau. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Une kitchen blooded. Je ne me souviens pas avoir commandé ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des avocats du chaos. Avec des gros flingues. J'en connais qu'il y a quelque chose à compenser. Et c'est pas moi. Ensuite, des petits pinceaux. Ça va aller dans le rack. Ensuite, alors ça, c'est des petits pots de peinture. Du Van Allen Blazer. Du Aveden Black. Tout ça, c'est bien mignon. Du lait de pêcheur. Ok. Oh, on avait une étagère vide, alors du coup, on a décidé de prendre des pots à eau citadelle. Oui, c'est pratique. En plus, ils sont très très bien ces pots-là, parce que je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, mais en gros, il y a des petits orifices qui permettent de frotter vos pinceaux afin de enlever l'excédent de pigment. Et en plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit repose-pinceau. Ça évite de laisser vos pinceaux tout droit dans le pot, hein, ce qui les abîme. Là, vous pouvez juste les poser. Comme ça, à l'horizontale. C'est nickel. Alors ensuite, on a un petit seigneur du chaos. Il est très mignon. C'est Obsidius Malex de l'ancienne boîte avec... je me rappelle plus la même boîte, c'était Blaston Fortress, voilà. C'est, il était dans Blaston Fortress, si je dis pas de bêtises. Mais je dis pas de bêtises. J'ai jamais vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Une petite perceuse, une drill. Pour creuser des petits trous très importants. Percer toujours les canons. Très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une Combat Patrol Space Marines du Chaos. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Space Marines du Chaos, voilà, on a les petits avocs, le Metabrutu, le Dark Imposter, et là on a des petits Legionnaires. Je fais cet accent parce que je suis content, c'est la joie. Alors, des petits crânes. Oh, des crânes pour le trône de crâne. Et un petit Tecmancien Space Marines du chaos. C'est un Warp Smith. Ensuite, caton. Un tiroir des ruches, bien évidemment. Pour tous les fans de Tyranny qui nous regardent. Ensuite,
ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, encore un truc qui va plaire en fin de pyramide. Une émissaire nord. Ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Oh yeah. Et pour finir ce petit cadre-là, on a un Ferrocentauru Forgefiend, Malorfiend. En deux options, Malorfiend, non, Forgefiend ou Malorfiend. Je vais l'inventer avec des canons plasma. Non, c'est mieux, les canons plasma, c'est mieux. On passe au deuxième colis. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième colis? Passer au dernier carton. Alors, pour le dernier carton, c'est pareil. Juste pour la bombe de Belcher. J'aurais pu mettre ça dans les deux dans un seul carton, à la limite. Bon, et ben voilà les amis ce qu'il y avait dans cette petite livraison game de la semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager tout le temps, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez supporter la chaîne un peu plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!